Et salut tout le monde, c'est TheFry HD, j'espère que vous allez bien les gens. En tout cas pour ma part ça va super, et encore mieux avec le gameplay que j'ai réalisé, hein, comment bien commencer une partie sur Call of Duty Black Ops 2. Vous allez voir, c'était la première partie de ma journée. Je lance le petit mode bonus, vous savez, où vous tombez sur des petites maps pour faire un carnage quasiment assuré. Et là je tombe en plein milieu d'une partie sur Nukedown 2025 en domination. Je me dis, eh merde, je vais me faire spawn trap. Et l'inverse s'est produit, hein. Je leur ai vraiment mis une grosse misère. Regardez ce début de partie vraiment exceptionnel. Bon, faut pas non plus trop en faire. Voilà. Juste, je voulais vous passer une annonce sur cette vidéo, tout simplement parce qu'elle est courte et que le gameplay, c'est pas non plus le gameplay de malade. Ce qui fait que j'ai juste le temps de vous expliquer le projet qui tient à cœur. Déjà, je voulais vous remercier pour les 25 000 abonnés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais organiser une spéciale abonnés, hein, pour ce cap des 25 000 abonnés. Mais non seulement pour ma chaîne, mais aussi pour la Playgeek TV, hein, ma chaîne communautaire qui vient d'atteindre les 10 000 abonnés. Et on va faire cette vidéo spéciale par une rencontre abonnée qui va se dérouler pendant les vacances de début mars au Trocadéro à Paris. Je vous en parlerai, je ne sais pas encore la date, mais c'est mon projet. J'aimerais savoir si vous fait plaisir. Et un gros projet, je peux vous le dire, c'est de faire un Troll of Duty IRL. Donc comme on avait fait à la dernière rencontre abonnée, on va un petit peu troller les gens, on va déconner comme on avait dansé le Gangnam Style à côté des coréennes. C'était assez drôle, ça représente bien un Gangnam Style. Et là je pensais aussi faire un Harlem Shake en IRL. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Imaginez-vous, on est 30-40, cliquez Harlem Shake sur YouTube pour ceux qui connaissent pas. Vous allez vraiment kiffer. Et imaginez-vous ça pendant une rencontre abonnée avec du matos, ça va être un gros délire. Donc ceux qui pourront venir, je pense que ça sera une journée inoubliable. Et j'espère une des meilleures rencontres abonnées qui s'est pas produite. Parce que c'est vrai que Wartech, le V12, ils font des méga rencontres abonnés, mais c'est des foires aux questions, c'est des FAQ, c'est bien gentil tout ça, mais mes abonnés, ça, la dernière fois, ça les avait un petit peu fait chier. Et là, je me suis dit, on va faire une rencontre abonnée digne de ce nom, un Troll of Duty IRL avec un Harlem Shake IRL, un truc délire. Je vais trouver des conneries à faire, on n'aura pas trop de problèmes, vous inquiétez pas, avec la police et tout, hein, mais on va faire un truc vraiment énorme. Et pour ceux aussi qui peuvent pas venir, je comptais vous faire sur une période de 2-3 semaines, on va dire 7 ou 8 Troll of Duty. La moitié des Troll of Duty, ça sera en votre compagnie, donc je prendrai des abonnés. Donc vous pouvez déjà commencer à écrire votre PSN pour que je sache à peu près le nombre de personnes qui vont écrire, enfin qui vont participer, pardon. Donc si vous voulez participer, mettez votre PSN, hein, ça se joue que par contre par, oula, désolé, je recommence, ça se joue que sur PS3. Donc voilà, la moitié ça sera fait en votre compagnie, les Troll of Duty, et l'autre moitié comme au bon vieux temps avec tous mes amis sur Skype. Donc voilà, j'espère que ces deux projets vous feront plaisir. Ils seront postés en même temps sur la Playgeek TV, que vous pourrez aller checker dans la description pour ceux qui connaissent pas ma chaîne communautaire. Et aussi ça sera une vidéo spéciale 25 000 abonnés. Donc vraiment je vous mets en avant du meilleur moyen possible. Si ce concept vous fait plaisir, parce que je peux pas savoir, et je vais un petit peu en juger au résultat de cette vidéo, laissez juste un petit pouce vert s'il vous plaît, et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce concept. Donc n'hésitez pas à écrire votre PSN pour que je sache à peu près le nombre de personnes qui vont participer au Troll of Duty sur PS3. Et aussi dites-moi si vous pensez pouvoir venir à un moment pendant les vacances de mars pour ce Harlem Shake et Troll of Duty IRL. Voilà. Sinon, la vidéo, je vais finir sur un 29 kills, 5 morts en très peu de temps, alors que j'étais déjà arrivé plus de 3 quarts de la partie. Donc vraiment un bon gameplay. Je compte sur vous pour me laisser un petit pouce vert et me dire ce que vous pensez de ces concepts pour la spéciale 10 000 de la Playgeek TV et spéciale 25 000 de ma chaîne. Allez, tchuss!